5h du matin dimanche dernier, dans la petite ville de Champagne-sur-Oise, à 60 km de Paris. Alors qu'il fait encore nuit noire, on assiste à un curieux ballet de lampes torches. Aujourd'hui, c'est jour de vide-grenier. Et les exposants n'ont même pas terminé de déballer leur cargaison que les premiers clients comme Sébastien débarquent. Car tôt le matin, c'est le moment où l'on peut faire les meilleures affaires. J'essaie de trouver le mouton à 5 pattes. Donc j'essaie de trouver un objet sympathique, mais il faut essayer de pouvoir bien voir dans les cartons pour... Et la lampe torche, ça aide beaucoup à voir correctement. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que j'ai trouvé. On part avec des idées en tête, mais on revient toujours avec quelque chose de différent de ce qu'on peut rechercher. Toujours l'occasion qui se présente à soi. Voilà. L'objectif, c'est de dénicher des pépites pour les revendre ensuite à bon prix. Karim, un autre acheteur, s'est lui aussi levé aux aurores. Je cherche la perle rare, le trésor. Mais bon, à cette heure-ci, là, 5h du matin, on va dire qu'il est un peu trop tard. Déjà, à 5h du matin? Oui, déjà, oui. Ah, il faut vraiment venir tôt, hein, 4h, voire 3h30. Mieux vaut être bien réveillé et avoir l'œil. Là, ça s'affole, là. Bon, on va voir. Un camion vient tout juste d'arriver. Il est immédiatement pris d'assaut par les acheteurs potentiels. S'il vous plaît, les messieurs qui veulent chercher, pour l'instant, vous sortez. Les messieurs qui veulent chercher. L'un des organisateurs est obligé d'intervenir pour ramener le calme. À quelques mètres de là, une exposante vient à peine d'ouvrir son coffre, que là aussi, tout le monde se jette dessus. Des baskets de femmes, oui. Ouais, c'est pas intéressant ça. On va pas perdre notre temps, on va aller voir un autre stand. Des fois on rentre avec des petites pépites qui peuvent épicer les fins de mois, on va dire ça comme ça. Comme Karim, ils sont des dizaines de milliers de Français chaque dimanche de printemps à venir tenter leur chance dans un vide-grenier. Les vides-greniers, c'est une passion française. Le troisième loisir préféré dans le pays après le football et le cinéma. L'arrivée des beaux jours et du printemps marque le lancement de la saison. C'est le moment de désencombrer sa maison. Pour les vendeurs, l'occasion d'arrondir ses fins de mois. Merci. Pour les acheteurs, de quoi réaliser d'incroyables bonnes affaires. 1 euro. Allez, 50 centimes, parce que c'est vous. Au dodo, 5 euros, je l'ai payé 1 euro. Voilà, des fois c'est 50 centimes en euros. C'est la pêche au trésor. Et des fois voilà. Insolite. À Champagne-sur-Oise, le premier vide-grenier de la région transforme cette ville de 5000 habitants en un gigantesque marché à ciel ouvert. Ah ouais, celui-là me fait bien craquer, oui. Parmi les inconditionnels de ces foires aux affaires, la famille Cochard-Magritte, Aude, Stéphane et leurs deux filles, qui ont décidé de se débarrasser de vêtements et de vieux jouets pour pouvoir financer leurs vacances d'été. Prenez tout ça. Hop. Fais un petit prix quand il y a un lot comme ça, beaucoup d'habits, c'est ce que je dis aux dames avant. Si vous en prenez beaucoup, je fais un petit prix. Une journée sous pression pour Corinne Vasseur, la maire de Champagne-sur-Oise. L'uniforme fait son sur tous les fronts pour gérer les milliers de personnes qui déferlent dans cette ville habituellement très tranquille. On lâche les fauves ? On lâche les fauves. Allez, allez-y. Exceptionnellement 5 minutes avant. Et dans toute la France, le succès est tel que certains ont même lancé les premiers vide-greniers permanents, comme à Fougères, en Bretagne. Donc 8,50 euros, s'il vous plaît. Pour Sylvie, mère de famille avec 5 enfants à charge, c'est un rendez-vous indispensable qui lui permet de boucler ses fins de mois difficiles. Là, ça va me permettre de refaire un peu de courses, voilà, racheter des desserts, un peu de viande aussi. Ces vides-greniers permanents attirent aussi des acheteurs très avisés, telle Laurence. Alors ça m'intéresse. Je l'ai vu l'autre fois, je ne l'ai pas pris. Elle s'équipe à petit prix et n'achète quasiment plus rien dans les magasins classiques. Regarde, ça vaut, normalement ça vaut 35-40 euros et là c'est à 3, il était à 4. Il passe à 3 maintenant. Immersion dans une folle journée qui vous donnera peut-être envie à vous aussi de venir chercher les bonnes affaires dans un vide-grenier. Dans le centre-ville de Champagne-sur-Oise, tout le monde se prépare à 24 heures du premier vide-grenier de la saison.
Une famille s'est fixé un objectif très ambitieux. Financer ses vacances d'été dans le sud-ouest grâce à la vente des affaires et des objets qu'elle n'utilise plus. Allez, venez, on va faire un petit peu de tri maintenant dans vos chambres. Aude, la mère de famille de 39 ans, est à la baguette. Les Barbies, parce que les Barbies, il y en a plein. Avec Chloé, 6 ans, et Jade, 10 ans, elles doivent faire des choix cornéliens. Tu joues pas ? Lesquelles ? Tu veux garder ? Toutes les petites clochettes, là, tu les gardes ? Celui-là, parce qu'on va faire ça. Je me dis que celle-ci, je la trouve moche. Est-ce que celle-là, tu veux la garder ? Je la garde. Tu la gardes, celle-là ? Poupée, figurine ou encore jeu de société. En quelques minutes, les deux filles vont mettre de côté des dizaines de jouets. Ceux-là, on les garde ou pas ? Non. Leur maman aussi fait un tri draconien dans son propre placard. Ça aussi, ça non. Ça oui, ça non. Ça oui. Alors celui-là, non, il est trop petit. À droite, les vêtements qu'elle veut garder. Et à gauche, ceux qu'elle met en vente. Et voilà. Des t-shirts, des robes ou encore des pantalons. Ça, je vends. Bah, l'intérêt pour moi de faire le vide-grenier, c'est de me débarrasser de mes habits que je ne mets plus. Donc voilà, et puis de me faire un petit pécule après, par la suite. Allez, venez m'aider. Ça, on va aller descendre au sous-sol pour demain, d'accord ? En plus des jouets et des vêtements, la mère de famille et son mari Stéphane ont rassemblé à la cave tout un tas d'objets qu'ils espèrent vendre lors du vide-grenier. Lampes, peluches, chaussures, électroménagers. Et celui-là, tu le vends alors ? Oui. T'es sûr, c'est bon ? Juste pour passer les vitesses. Et même un vélo. Faut s'en débarrasser, quoi. Ouais, mais ça vous fait un peu d'émotion, hein, je sens que... Ouais, ça, bah, c'est un des premiers que j'avais, donc c'est sûr que c'est les premiers randos que j'ai fait avec mes potes à vélo, donc c'est toujours un peu triste de le voir partir. Maintenant, tant pis. Hein. Au total, près d'une centaine d'articles à vendre. Il faut dire que la famille mise beaucoup sur cet événement, auquel elle participe chaque année. L'année dernière, on avait fait environ, je crois, 200 euros. J'espère que cette année, on va être au moins au même niveau. Et puis, ce petit pécule nous servira à faire des petits à côté aux vacances, aux prochaines vacances. Sans envie de gonner, bah, faudrait qu'on se restreigne un petit peu sur tout ce qui est activité. Donc, on réduirait peut-être les restaurants ou les activités avec les enfants. Un objectif motivant pour tout le monde. Alors, pour être prêt aux aurores et en forme, c'est extinction des feux à 21h30. À peine quelques heures plus tard, à 4h du matin, la mise en place du vide-grenier démarre. Et la maire de la ville, Corinne Vasseur, est déjà d'attaque. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut. De bonne heure et de bonne humeur. C'est le premier vide-grenier de l'année, un événement majeur pour Champagne-sur-Oise. Alors la maire va mouiller sa chemise toute la journée. L'organisation repose entièrement sur ses épaules et elle commence par vérifier la tenue vestimentaire de ses équipes. Tu t'es mis en jaune. C'est mon gilet de sécurité. Non, Albert, ça va pas le faire. Si vous en avez en orange, je prends les enfants. Et Antoine. À partir de la rue du Général. Dernière mise au point et un premier souci. Certains employés chargés de la sécurité manquent à l'appel. Philippe, tu attends un peu, les placeurs sont pas là. Bah oui, les placeurs sont pas là. Non, non, il faut que tout le monde aille au fur et à mesure, là. À quelques centaines de mètres de là, d'autres sont déjà à pied d'œuvre. Là, on installe des barrières pour empêcher les visiteurs de rentrer, parce que sinon, ça poserait un problème au niveau place à l'intérieur. Philippe et Joël sont chargés de contrôler chaque exposant et de vérifier qu'ils ont bien réservé et payé leur emplacement. Bonjour. PW, vous savez où c'est ? Oh non. Non ? Alors vous allez tout au bout. La première voilà, à gauche, vous prenez le sens interdit. Ouais, c'est ça. Hein. C'est la seule fois où vous aurez le droit. D'accord. Le nombre de places est limité et une foule de vendeurs est en train d'arriver. Impossible pour un exposant de passer s'il n'a pas réservé plusieurs semaines à l'avance. Dans la halle couverte, Madame le maire va donner le coup d'envoi du vide-grenier dans quelques minutes. Ouais, 5h20. La tension monte, les premiers acheteurs sont là.
mais l'organisatrice en chef est très à cheval sur les horaires. C'est 6 heures l'ouverture de la brocante. 6 heures. Vous êtes brocanteur ou vous venez visiter ? Visite. Alors vous ressortez, monsieur, s'il vous plaît, c'est 6 heures. Ah, pardon. Oui, c'est pour ça que je vous demandais ça. Voilà. Monsieur, vous n'entrez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 6 heures. 6 heures. 6 heures. Il est quelle heure là ? Je ne sais pas. 5h30. Vous allez boire un petit café en attendant. Pour le moment, la salle est encore fermée au public. Alors, madame le maire en profite pour aller serrer quelques mains. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Ça va, ça va. Oui, ça va. Qui c'est qui fume le cigare le matin ? Pas moi. Moi, je suis nausée déjà. Il n'est pas encore 6 heures du matin. Mais devant l'affluence, Corinne Vasseur décide d'ouvrir les portes. On lâche les fauves ? On lâche les fauves. Allez, allez-y. Exceptionnellement, 5 minutes avant. Voilà. On se croirait un jour de solde dans un grand magasin. Vous passerez tous, vous passerez tous. Et c'est parti pour 12 heures de vide-grenier. À l'intérieur de la halle, seulement une petite partie de la panoplie que peuvent trouver les acheteurs. De la vaisselle, des jouets anciens, des bibelots, des vases. Mais l'essentiel du vide-grenier se tient en fait dans les rues de la ville. Allez, zou, c'est parti. Oui, oui, après je reste en... Oui. Pour les cochards Magritte, c'est le moment d'installer leur étalage. Afin qu'ils puissent vendre juste devant chez eux, la mairie leur a fait un prix, 10 euros seulement. Il faut aller vite là, il y a plein de monde qui arrive, donc il faut être installé rapidement. Hop. Pas une minute à perdre. Stéphane, son mari, joue les déménageurs. C'est un dimanche sport, parce que là, il faut monter, descendre tout du sous-sol, et ça, c'est dur. À peine le temps de se mettre en place, que les premiers acheteurs arrivent. Un article est d'emblée l'objet de toutes les convoitises. Ce téléphone portable de grande marque, dont Aude espère obtenir 90 euros. Oui, j'espère. C'est pas 5. Oui, c'est un 5, 90 euros. Mais non, c'est pas trop cher. Pour moi, c'est trop cher. C'est ça. Combien de données plus ? 90 pour l'instant. Il est 6 heures du matin. Le ton de la journée est donné. Le premier client négocie. Moi, je dois 50. C'est bon ? Non. Ah, là, tu vois, là ? 50, non. Vous revenez tout à l'heure, peut-être ? Ouais, peut-être. À 6 heures du matin, pour l'instant, c'est encore le prix de départ. Oui. On est d'accord, monsieur. La mère de famille ne lâche pas l'affaire. C'est 90 euros ou rien. D'autant que d'autres acheteurs se bousculent. 90. Alors ? 65. Non, vous le prenez pas ? Ah bon, bah alors tant pis. Après ces deux échecs, Aude devient plus flexible sur le prix. Donc moi, 70. Allez. En 10 minutes seulement, l'objet le plus cher de son stand est parti. Merci. Merci à vous. Au revoir. Dans les vides-greniers, c'est premier arrivé, premier servi. Bah, par rapport à un magasin, c'est vraiment moins cher, quoi. Dans le commerce, ce téléphone neuf coûte 4 fois plus cher. Bonjour. Bonjour. Aude doit encore vendre tous ses autres articles. Des bijoux à 4 euros. Des vêtements à 1 euro. Ce cuiseur à 20 euros. Et ce vélo à 15 euros. Mais ce que j'espère qu'il va partir devant, et puis les bijoux, forcément c'est petit, donc faut que ça quand même ça soit vu. Le problème, c'est que même pour ces petits objets, les clients bataillent pour sauver quelques dizaines de centimes. Oui, oui, c'est un euro. 50 centimes, j'achète beaucoup. 50 centimes si vous en prenez plusieurs. Beaucoup, beaucoup. 1 euro, et hop, et puis celui-là, 1 euro, ça fait 2 euros. 2 euros. Tout, allez. Ah bah non, je peux pas plus. Hein. Les gens aiment bien négocier à la brocante, c'est un petit peu le jeu aussi. Voilà, si on met à 4, on sait très bien que les gens vont descendre un petit peu. Ils aiment bien, même si c'est 50 centimes, ils aiment bien baisser un petit peu le prix. Et puis c'est le jeu, voilà. Je suis pas prête, par exemple, à baisser l'autocuiseur. Voilà, là, je vais pas le laisser à 5 euros non plus. Il est à 15 euros le vélo, monsieur. Hop là. Il va falloir avoir les nerfs solides pour parlementer comme ça toute la journée. Ça va être limite, hein.
Ouais. Ça passe limite, hein. De son côté, Madame le maire a d'autres soucis à gérer. Adrien, on a une dame qui est tombée, qui est blessée, rue Pierre de Montreuil. La maire décide de se rendre immédiatement sur place. Vous avez fait un malaise, madame? Non, vous avez glissé? J'ai trébuché, ouais. Madame. D'accord, là, vous avez tout cassé. On a appelé les pompiers, madame, ils vont juste voir. La femme est tombée la tête la première sur des bouteilles et des vases en verre qui se sont brisés. Elle a de multiples coupures sur les mains et même sur le visage. Vous avez une plaie là, à la lèvre. Vous êtes un petit peu boursouflé là déjà. Vous avez dû tomber comme ça, non? Non, bah, c'est normal. Non, elle n'est pas gonflée votre main? Attends, donne-moi un peu d'eau. Multicasquette, madame le maire n'hésite pas à jouer les infirmières de fortune pour apporter les premiers soins à cette femme. Ouais, parce que votre main est gonflée. Ouais, c'est peut-être que je suis tombée. Ouais, je pense. Ouais. Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivés sur les lieux prennent la femme en charge. Finalement, plus de peur que de mal, les coupures sont superficielles, elle pourra reprendre son stand. Ce vide-grenier en plein air n'est décidément pas de tout repos pour madame le maire. À 400 km de là, près de Rennes, en Bretagne, dans la commune de Laignelet. Il y en a un qui n'a pas eu besoin de se lever aux aurores pour faire de bonnes affaires. Claudine. Ce matin, Philippe débarrasse son garage. Claudine. On va toujours mettre ça dans. Le Breton compte vendre aujourd'hui ce micro-ondes au vide-grenier du coin. Allez, la voiture. Et aussi cette commode de salle de bain, encore en très bon état. Attends, je vais le prendre par le bas. Des meubles qui étaient destinés à la déchetterie. C'est sa femme Claudine, aide-ménagère, qui les a récupérés auprès de ses employeurs. Donc on va le mettre à combien celui-là? 35. On l'emmènera demain. Ils nous disent, ça vous dérange pas de venir chercher ce qu'on a acheté, vous faites un tri si ça vous intéresse, et puis le reste, on emmène à la décharge. Ça, hein. Comment, madame? Ça, ça devait être la déchetterie, oui. Le micro-ondes, le petit meuble. L'un de ses employeurs comptait même jeter ce sac de golf. Comme elle change pas mal de matériel, donc elle nous dit, vous en faites ce que vous voulez. Pour cet ouvrier, pas question de gaspiller. Afin de vendre ses meubles, le Breton ne se rend pas dans un vide-grenier en plein air, mais dans la zone industrielle de Fougères. Bonjour. Ça va bien? Je viens livrer du meuble. Ça marche. Ces meubles, Philippe va les déposer dans ce hangar. On se croirait ici dans un garage. C'est en fait un vide-grenier permanent. Le premier du genre en France. 1200 mètres carrés de meubles, de fauteuils, d'électroménagers parfois quasi neufs et d'objets en tout genre. Tout a été déposé ici par des particuliers comme Philippe. Salut Isabelle, tu vas bien? Oui, toi? Ça va. Bon, je t'amène quelques trucs à vendre là. Super. Philippe va fixer ses prix avec la responsable du magasin, Annabelle. Micro-ondes. Dis-moi. Eh ben, 30 euros. Prix. Hein, 30 euros. 30 euros, tu veux qu'on mette? Oui. Et pour le sac de golf? Sac de golf, avec les accessoires, tout le monde. Il y a même la paire de gants, quand même. Philippe se lâche. Et on l'a mis à quel prix, je sais plus. 80. Et il était parti à 80. Mmh. Et ben, on est parti pour 80. Bah oui. Mmh. Ben, 80, hein. C'est le bon prix. À ce prix-là, ça reste quand même une bonne affaire. Normalement, il faut compter dans les 300 euros pour un sac complet d'occasion. Mais pour Philippe, 80 euros, c'est déjà beaucoup. 80 euros, ça permet quand même de nous nourrir pendant une semaine. C'est vrai que et tout ça sur des choses qui seraient jetées illogiquement. Donc, autant se faire plaisir. Nous faire une petite sortie, qu'on pourrait pas. Et tout ce que je mets, tout est vendu. Des fois, ça demande du temps. Voilà. Ça demande du temps, mais ça part. Le meilleur meuble, vous avez pu gagner combien? 400 euros. 400 euros, ouais. Bon, ben, on est reparti pour un tour, du coup. 400 euros sans avoir besoin de se lever tôt pour déposer ses objets et surtout sans avoir besoin de rester pour les vendre. En revanche, le magasin prélève une commission de 35% sur chaque objet vendu. 8,50 euros, s'il vous plaît.
un vide-grenier permanent où l'on peut faire de bonnes affaires 7 jours sur 7. 1 euro, s'il vous plaît. Merci. Un concept tout simple. Pourtant, personne n'y avait pensé avant Romain Chassagne, le fondateur de l'enseigne. C'est Annabelle ? Annabelle ? Le K8 ? On va aller voir les meubles. C'est lors d'un voyage en Finlande, il y a 4 ans, que cet ancien agent immobilier a eu cette idée. Là-bas, les vide-greniers permanents font partie du mode de vie. C'est souvent un peu plus, pas bricolé, mais c'est plus simple. Hein. C'est deux tréteaux, une planche, et puis les voisins viennent déposer des articles. En rentrant de Finlande, j'ai vérifié si le concept existait ou pas en France, et il s'avérait que ça n'existait pas du tout, donc du coup, on a testé. Ici, pour la première fois, dans ce magasin. Pourtant, c'est une idée toute bête, quoi. C'est une idée toute bête, mais il fallait y penser. Le patron de 34 ans a ouvert 5 magasins en France et vise 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Il faudra faire le point sur ce qui part aujourd'hui, commence à préparer les meubles et préparer la place pour ceux qui vont arriver, quoi. Pour booster ses ventes, il n'hésite pas à baisser encore plus les prix. Alors ce meuble-là, par exemple, qui était vendu 100 euros, donc nous, on a estimé que le meuble n'était pas vendu au bon prix. On a donc appelé le client pour savoir s'il était prêt à le baisser. Donc du coup, ce meuble-là, il est pour l'instant à moins 50%. Après, si dans un mois, il n'est toujours pas vendu, on va refaire une promotion dessus, enfin jusqu'à ce qu'il parte, quoi. Même à 2 euros, quoi. C'est pas déjà arrivé, mais une fois, on avait un piano à vendre. Et pour tester, on avait fait une enchère à la baisse. C'est-à-dire que chaque jour, le piano, il baissait de, je ne sais plus combien, on avait fait 1 euro ou 10 euros. Et donc, du coup, il est parti à 40 ou 50 euros. Quoi. Ah ouais. C'est pas cher pour un piano. Des meubles et des objets à prix cassé. L'occasion de s'équiper à bas prix. Il a 10 euros. Et bon, il est déjà pas cher. Allez. Aujourd'hui, certains adeptes de ces vide-greniers permanents ne se verraient plus consommer autrement. À 10 minutes de là, une des clientes de Romain s'extasie tous les jours devant ses bonnes affaires. À chaque fois que Laurence cuisine, elle n'en revient pas. C'est bien, bien mixé. Ah oui, en quelques secondes. En quelques secondes, ouais. Franchement, c'est super. Si elle est aussi satisfaite de son hachoir manuel, c'est parce qu'elle l'a déniché au vide-grenier permanent à un tout petit prix. Franchement, un prix imbattable. Vous l'avez payé combien ? 2 euros. Pour mixer, 2 euros, c'est franchement bien. À 39 ans, Laurence est devenue totalement accro au concept. Toute sa petite famille a dû suivre le mouvement, à commencer par sa fille Clara, 16 ans. Elle se fait plaisir. Des petits hauts à 1 euro, 2 euros. Ouais, ouais. Des petits hauts sympas. Fini les magasins classiques. L'adolescente s'habille presque uniquement avec des vêtements d'occasion. Et ça va, ça lui convient d'acheter d'occasion ? Ah, elle est fan. Elle préfère acheter d'occasion, en avoir plusieurs, que acheter du neuf et en avoir très peu. Même ses copines elles disent : mais tu changes toujours de vêtements. C'est même pas usé, ça se voit même pas que c'est de l'occasion. Les gens, ils le savent pas, quoi. Du coup, même Laurence s'y est mise. Tout ce que j'ai sur moi, c'est que de l'occasion. Ah oui ? Oui, oui. J'ai dû payer 3 euros à peu près, ce pantalon. Le haut, ça devait être 2 euros, et puis il est un peu ouvert derrière. 2 euros, et puis la veste, 2 ou 3 euros. Donc le total look pour moins de 10 euros. Voilà, le total look pour moins de 10 euros. Ah ouais. Plus de vêtements et un budget divisé par 3 pour cette ouvrière qui travaille dans une laiterie. Avant, on dépensait 100 euros par mois. Maintenant, on est allé 30, 40 euros dans le mois, quoi. Niveau vêtements, quoi. Bon, ça fait du bien, tu vois. Bah, ça fait du bien au porte-monnaie. Son bon plan, Laurence ne le garde pas pour elle. Madame Bonnes Affaires s'est mise en tête de convertir tous ses meilleurs amis au vide-grenier. Elle joue les personnages chopeuses. Pendant ce temps-là, à Champagne-sur-Oise, c'est un moment d'accalmie pour la famille Cochard-Magritte. Cela fait des heures qu'Aude s'active dans un froid glacial. Ah ouais, super. Laura, on a le petit-déj. Alors Stéphane, son mari, se charge du ravitaillement. À toi. Tu veux un thé ? Et pour accélérer les ventes, Aude a prévu du renfort. Ses deux filles, Jade et Chloé. Elles vont installer leur propre stand juste en face pour y vendre l'une des marchandises les plus recherchées dans les vide-greniers. Les jouets. On va mettre tout sur la table et on va bien ranger pour que les gens y voient. Des peluches, des figurines et des petits chevaux. Il y en a pour tous les goûts d'enfants.
Elles vont donc jouer les marchandes. Mais de toute façon, je comprends pas ce que c'est. Sous l'œil bienveillant de leur père. Elles participent de façon à se débarrasser un petit peu de leurs jouets. Ça prend un peu à gérer un peu tout ce qui est argent. Et puis ça leur fait du bien aussi de voir un peu les gens, rendre le milieu social de la ville, comment ça se passe autour d'elles. Et le stratagème fonctionne. Les clients arrivent. Mais ils ne se laissent pas amadouer pour autant. Au contraire, ils négocient ferme. C'est combien ? 2 euros. Ah ouais ? 1 euro, je le prends. La petite princesse. Oui ou non ? Oui. Chloé a accepté à moitié prix. Merci. Alors, pour bien fixer les tarifs de ses futures ventes, elle demande conseil à sa grande sœur. Je sais, on fait combien les Barbies ? 4 ou 2 euros. D'accord. Les puzzles, on les fait à combien ? Moi, je dirais 3 euros ou 2. Et les déguisements, ça combien ? À 4 euros, moi, je dirais 3. 3 ou 4. Désormais, elles sont prêtes à enchaîner les ventes. Parmi les clients, Daniel, un père de famille qui a repéré des articles à des prix défiant toute concurrence. Il y a toutes les pièces. 6. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Pour 6 euros, il repart le caddie plein. J'ai acheté ça, un puzzle de fois 20 pièces et deux lotos. Et un memory et un loto. J'ai l'habitude des gros comptes et tout, moi j'en fais très souvent. Vous achetez pas en magasin des jouets d'enfants ? Jamais ? Quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que c'est 10 fois moins cher. Ici, je les ai payés 1 ou 2 euros. Et en boutique, c'est vachement plus cher. D'ailleurs, on voit souvent le prix au dodo. 5 euros, je l'ai payé 1 euro. Voilà, des fois c'est 50 centimes en euros. Daniel va pouvoir gâter ses jumelles de 4 ans. Quant à Jade et Chloé, elles en sont déjà à 30 euros de recettes. Voilà. Ah, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Approchez, approchez pour les marraines. Approchez, approchez. De l'autre côté de la rue, leur mère, elle, doit maintenant passer à la vitesse supérieure. Car dans ce vide-grenier, la majorité des ventes se fait avant 13h. Il faut liquider le stand et donc... Prenez tout ça ? Faire des promotions. Hop ! 5 euros. Je fais un petit prix quand il y a un lot comme ça de beaucoup d'habits. C'est ce que je dis aux dames avant. Si vous en prenez beaucoup, je fais un petit prix. Là, par exemple ? Ben là, voilà, il y a à peu près une dizaine de pièces. Ben, je les fais à 5 euros. Voilà, à peu près 50 centimes pièce. 50% de solde, même sur des articles à des prix déjà très réduits. 1 euro. Allez, 50 centimes, parce que c'est vous. Grâce à sa stratégie très bien rodée, ça y est, le vélo part. Aude et sa famille ont finalement vendu toutes les principales pièces du stand ce matin. Il est midi. C'est le moment où de nombreux curieux arrivent au vide-grenier. Des promeneurs du dimanche, pas vraiment des spécialistes. Mais il y en a une qui, au contraire, sait parfaitement ce qu'elle veut. Coraline est une experte en vide-grenier. Non. Pas de tissu non plus. Non, il y a des trucs intéressants, mais c'est pas... Ouais, non. Avec son groupe d'amis... Allons-y. Cette architecte champenoise a une passion. Trouver ici des objets bon marché qu'elle peut transformer afin de les revendre. Alors, si on récapitule, une petite une chaise en osier pour la bomber en orange. Les tissus, pour l'instant, moi, j'ai rien vu du tout. Donc, à voir, bleu foncé, turquoise, orange. Si jamais vous trouvez une pièce qui peut vous servir de plateau pour faire une belle table basse, ça serait super. C'est bon ? Oui. Ok, c'est parti. La jeune femme scrute minutieusement chaque stand. Mais avec près de 300 exposants... Trouver un petit peu plus de pièces maîtresses, quoi. Trouver la perle rare n'est pas si simple. Là, il y a des vieux cadres. Après avoir tourné près d'une heure, un lot d'objets attire l'attention de la petite troupe. Ces lampes de chantier un peu rouillées. Difficile de s'en rendre compte quand on n'est pas connaisseur, mais pour Coraline, il y a là un gros potentiel. Et tu fais un plateau comme ça. Et plutôt une table en verre, on les repeint. On a trouvé des projecteurs qui ont un look sympa. Et puis tout de suite, Alex qui maîtrise tout ce qui est métal, verre, etc. Il a vu la table basse finalement qui se cachait dans tout ça. On va mettre ça combien ? Coraline. Les trois ? Ouais.
On va y réfléchir. D'accord. Hein, okay. Et puis on revient. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Au revoir. 200 euros, c'est un budget conséquent. Alors, avant de se lancer, petit conciliabule. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ton idée vraiment super sympa. Je visualise super bien le truc. En plus, bah, on n'a pas l'air trop de savoir ce que c'est comme marque. On sait, bon, d'accord, ils ne sont pas en fonctionnement, mais on sait que c'est de la bonne qualité et qu'on peut... Parce qu'à l'intérieur, on ne sait pas. Hein. On peut peut-être leur taper, oui, ou les remettre en service. Non, mais, remettre... non, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de super intéressant. Pour une lampe, vu là. Ouais, ouais, et puis vu le truc qu'on peut en faire... Juste ça, pour, même, ça même juste pour la beauté de l'objet. Ouais. Tout le monde est d'accord, à 200 euros, c'est une bonne affaire. Bonjour. Mais pour la forme, ils vont quand même négocier un peu. 180 vraiment. On en arrive à s'entendre sur 180 avec... Non, faut 200. On ne partira pas avec pour 200, parce que nous, derrière, il faut encore qu'on les transforme et qu'on les replace. Ah, bah après, chacun son métier. Ah bah oui, tout à fait. Tout à fait. La vendeuse ne lâche rien et l'affaire se conclut à 200 euros. Moi, je vous regarde porter. Ça, c'est bien pour les impôts. En réalité, nos experts ont vraiment réussi leur coup. Pour eux, le travail commence. Là, on va déposer les éléments directement à l'atelier où on va les transformer en une belle table basse. Je pense qu'il y aura beaucoup de cachets. Direction l'atelier de métallerie à quelques kilomètres de là. On la positionne, comme ça on regarde un petit peu ce qu'on envisage. De ces simples projecteurs, ils vont faire une toute autre pièce qu'ils pourront revendre beaucoup plus cher. Après une grosse semaine de travail, voilà le résultat. Une table basse de style industriel qui peut se vendre jusqu'à 6000 euros. Retour à Fougères, en Bretagne. Comme chaque mois, Sylvie fait le tri de ce qu'elle va mettre en vente au vide-grenier permanent. Et comment vous fixez les prix alors ? Comme ça, au hasard. Ah oui ? Bah, je mets que des petits prix, sinon ça ne se vend pas. Il y a des vêtements, je vais mettre à 50 centimes, 1 euro, ça dépend de l'état. Depuis 3 ans, cette maman de 5 enfants est devenue une vendeuse régulière du vide-grenier permanent. Bah, tous les mois, j'essaye de faire ça tous les 15 jours, de renouveler quand ça part. J'essaie de remettre de la nouveauté. Donc c'est devenu un vrai petit business finalement. Oui, exactement. Oui. Bah, pour les fins de mois, c'est très bien. Ça nous aide au moins. Hop. Chez Sylvie, il y a une pièce entièrement dédiée à son petit business. Des objets accumulés au fil des années. Oui. Il y en a du sol au plafond. Toute cette pièce-là, c'est tout pour la braderie. Ici, on va trouver tout ce qu'il y a de vêtements femmes, grande taille jusqu'à la plus petite taille, les accessoires et chaussures, des objets de la cuisine, des décorations, des sacs. J'accumule beaucoup de choses. Puis j'ai dit, au bout d'un moment, il va falloir s'en séparer. S'en séparer pour faire de la place, mais surtout par nécessité. Le mari de Sylvie est ouvrier. Il gagne 1300 euros par mois. Et même si la famille touche des allocations... Là, ça va me permettre de refaire un peu de courses. Le frigo est souvent vide en fin de mois. Donc en fin de mois, c'est toujours un peu difficile. C'est toujours difficile, oui. Je calcule au centime près, oui. C'est beaucoup de mois comme ça, je fais attention. Alors, comme chaque mois, la famille espère avoir bien vendu au vide-grenier permanent. J'ai hâte toujours de savoir combien j'ai fait. Aujourd'hui... Sylvie va déposer ses nouveaux objets à vendre. Ah mince, tiens, tu veux bien m'aider ? Non, au lieu de faire l'andouille. Merci. Fais attention, petit. Mais la maman va surtout récupérer ses recettes du mois. Comme cette gilet jaune, de plus en plus de personnes comptent sur les brocantes pour boucler leur fin de mois. Au vide-grenier permanent, Sylvie loue un box. Un stand de 2 mètres de long, facturé 10 euros la semaine. Cet après-midi, la mère de famille fait l'inventaire de ses ventes. Et vous n'avez pas trop vendu, non ? Si, j'ai vendu pas mal. Je m'aperçois qu'en un mois et 3 mois fille, j'avais toute la rangée pleine, là. Et j'ai plus que ce petit-là, j'ai plus que 14 morceaux. Donc j'ai bien vendu. Mais il lui reste encore pas mal d'articles. Je pensais que c'était vendu, mais il y avait déjà un bout de temps. Mais non, c'est revenu. 439, c'est bon. Et si c'est pas parti là, après je représente dans un mois ou deux, puis ça, c'est là que ça va repartir. En espérant tomber sur des bons clients comme Laurence, la fan de bonnes affaires.
Et justement, la voici. Elle a emmené son amie Jackie, qu'elle tente de convertir au vide-grenier. On va aller directement dans le fond ? Ah ouais, mais moi je sais pas tous les... Non, on va aller dans le fond ! Ah oui, parce que s'il faut tout faire... La mission du jour, trouver une plaque à induction et un four d'occasion. Mais visiblement ce matin, Laurence s'est faite doubler par d'autres clients. Jackie, il n'y a que ça en plaque, bah non. Non, ça me fait. Non, c'est pas ça. Et tu cherchais aussi, toi, Jackie, un four. Alors, four encastrable, je t'ai dit que j'en avais un, je l'ai vendu. Il était là, à la place de la plaque. Bon, bah, c'est un jour, il y en a un autre. Un autre, bah. Ouais, je te tiens au courant. Pas question de repartir bredouille pour autant. Bon, bah, je vais commencer à faire mon petit tour. Hein. Comme toujours, la mère de famille va quadriller le hangar. Un itinéraire précis pour ne rien louper. Moi, je trouve qu'il faut faire toutes les allées si on loupe quelque chose. Et des fois, je refais deux fois. Ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive. Non, mais t'as vu les trois bacs ? 9,50 €. Bah oui, mais que veux-tu que je refasse ? Non, mais je sais, mais c'est joli. Ils sont beaux. Laurence aurait envie de tout acheter. Tiens, regarde, Jackie. Une lampe. 3 €. Ouais, mais j'en ai une. T'en as une. Mais bon, pour dépanner, c'est pas mal. Je me sens bien ici. Je me sens bien, ouais, je me sens bien. On l'a fait, celle-là, Laurence ? Non, je la refais parce que je veux voir des trucs. J'ai des trucs que j'ai pas vus. Et quand Laurence est lancée... Tu vas pas tout faire, là, Laurence ? Non, je regarde juste. J'ai vu quelque chose qui m'intéressait là-bas. On ne peut plus l'arrêter. Avec Laurence, c'est ça, le problème. Elle regarde absolument... Tout, les fringues, les... Mais t'as pas d'enfant, toi ? Mais oui, mais même, c'est pas dû à tout le monde de chiner comme ça, de regarder. C'est pas mon truc. Ah non ? Non. Le retraité de 68 ans est même un peu perplexe. Attends, excusez-moi, elle met ça avec la culotte et tout. Non, j'achèterai pas d'occasion, ça. Oh, bon, n'importe quoi. Enfin bon, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Pour trouver la bonne affaire, il faut fouiner. Et au bout de 10 minutes... Alors ça m'intéresse. Je l'ai vu l'autre fois, je ne l'ai pas pris. Ça vaut cher. Hop. C'est un grill à gaz. Et regarde, ça vaut normalement ça vaut 35-40 €. Et là, c'est à 3... Il était à 4. Il passe à 3 maintenant. Bon ben... Ça, je vais le prendre. Laurence enchaîne les trouvailles. Avec une pompe et tout. Un matelas pneumatique neuf à 25 € au lieu de 40 pour les vacances au camping. Ben ça m'intéresse. Et pour finir, un balai en caoutchouc à 3 € au lieu de 10. Par carte. Résultat des courses. 31,50 € pour 3 articles. Un article neuf en plus. Et voilà. Merci. On va revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine parce que... Ah oui, mais Laurence, elle vient toute seule. Moi, je viens pas tous les jours. Jackie capitule. Au revoir. Pour Sylvie, c'est aussi l'heure des comptes. Et là, je fais la clôture. Et la clôture. Oui. La mère de famille va enfin connaître le montant de ses ventes du mois, auquel il faudra enlever les 35% de commission du magasin. Vous avez vendu 141 €. Waouh. Moins la commission. Je vous dois 91,65 €. Yes. C'est une petite signature. Merci. J'ai vendu pour 141 €, ils me retiennent 49 €. J'ai 91 € pour moi. Génial, très contente. Sylvie va pouvoir faire plaisir à ses 5 enfants et à son mari. Alors c'est toujours plaisant d'avoir son petit argent. Je vais faire les courses cet après-midi avec tout le monde. Puis ils vont pouvoir acheter ce qu'ils veulent, à peu près leur dessert qu'ils veulent. Merci. Dans un vide-grenier classique, Sylvie en est certaine, elle n'aurait pas aussi bien vendu. Bon, ben c'est bon pour moi, merci beaucoup. Bonne journée. À toi aussi. À tout à l'heure peut-être, oui. Je vais peut-être faire mon petit tour, je vais faire mes courses. Annoncer la petite somme à tout le monde. Oui, comme d'habitude. Bon, ben je te remercie. Au revoir. C'est la fin de journée à Champagne-sur-Oise. Le vide-grenier se termine et les exposants remballent. La famille champenoise a-t-elle battu son record ? Jade, Chloé, vous venez, on va voir ce qu'on a gagné. Alors, attends. Pour Aude, Stéphane et leurs deux filles, verdict. Ça, c'est 20. Non, ça, c'est 20. 20. 20. 20. T'as compté, t'en as combien ? Tu sais combien ? 85. 85. Moi, 250.
J'ai déjà 46. Donc, t'as 300. Ça fait à peu près 300 euros. Donc, on a explosé le budget qu'on voulait. Donc, c'est très, très bien. 300 euros récoltés, c'est 100 de plus que l'an passé. L'argent du vide-grenier va permettre de faire des petits à côté pour les vacances. Comme on ne sera pas loin de Bordeaux, on pourra peut-être faire une petite traversée pas loin sur des petites îles à côté ou des choses qu'on pourra faire. Ça sera, je pense que ce sera bien pour leur faire découvrir aussi les choses. Les Cochards Magritte ont déjà prévu leur prochain vide-grenier. Ce sera à l'automne et ils espèrent bien battre à nouveau leur record.